Non, j'ai pas appuyé sur Enter. Putain. Bonjour. Merci beaucoup. Ouais, t'es mieux. Hein. Merci, bonne journée. Faut que ça change. Un lundi pour tout changer. Eh oui, c'est lundi. C'est lundi et vous le savez, moi chaque lundi je prends des grandes résolutions pour ma vie qui me tiendront jusqu'à à peu près mercredi milieu de journée. Non, là sérieux, faut que je prenne vraiment des bonnes habitudes alimentaires parce que ça va pas quoi. Parce que l'alimentation, figurez-vous, c'est la base de la base. Attendez, vous êtes pas droit. La base de la base. C'est le carburant quoi, faut mettre des bonnes choses dans le moteur, sinon ça, tiens, ça avance pas quoi. Dans mon studio précédent, la cuisine était aussi l'entrée. Autant te dire qu'il n'y avait pas la place de faire des gratins de chou-fleur quoi. Il n'y avait pas de four de toute façon. Il y avait un micro-ondes. Ce matin, à l'état des lieux, il me dit « Eh, le micro-ondes, pourquoi vous l'avez mis dans le placard ?» J'ai dit « Bah, vous voulez que je le mette où ?» Bah ouais, effectivement. Donc le micro-ondes, je m'en servais pas. Donc j'avais deux plaques. Et puis vivant dans une ville comme Paris, tu prends vite l'habitude de commander des trucs en Uber Eats, même si c'est très mal. Bref, je cuisinais plus quoi ces derniers temps. Et là, j'ai une vraie petite cuisine d'adulte, donc je peux plus y couper. Puis j'ai besoin de bien manger quoi, parce que dès que je mange bien, ça fait la diff quoi. Je veux dire, les effets sont quasi immédiats même. Donc je vous propose un petit haul retour de course. Regardons comment Monoprix me l'a bien mise profond cette semaine. Voilà. Commençons par ce qui me fait le plus honte. J'ai essayé de faire des courses vegan pour tendre vers mon idéal. Mais voilà, je préfère tout de suite avouer que j'ai acheté ce brownie à partager, que je vais partager avec moi-même. Parce que le soir, je suis en crise de sucre, je défonce des paquets de gâteaux. Pas des paquets de gâteaux, un demi-paquet de gâteaux, je dirais. Avant de dormir, enfin, ça va pas du tout, tu vois. Je pense que si je mange plus de fruits, j'aurai moins ces fringales de sucre. Et bon, là, j'ai craqué, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en magasin, ce petit brownie. J'avoue que c'est mon préféré. Mais faut que je trouve un autre truc à boulotter, quoi. Un autre truc sucré à boulotter qui soit sain. Vos idées en commentaire, franchement, merci d'avance. Des tortillas, un petit guacamole, évidemment, pour aller avec. Ça, je vous avoue, j'arrivais à la caisse, ils m'ont eu en tête de gondole. Classique. Très envie de défoncer ce guacamole, mais je n'en ferai rien puisque j'ai acheté du lait végétal et du jus d'orange. Ici j'ai des bananes donc. Retrouvez-moi juste après cette séquence pour faire un petit smoothie. De la coriandre en sachet. Oui, j'ai honte. Des crudités en sachet. J'ai également honte. Mais voilà, je reprends petit pas par petit pas. Je sais que c'est pas écolo, mais moi, si je veux manger des légumes, faut que je me simplifie la vie, au moins au début, pour reprendre l'habitude, tout ça. Est-ce que je suis en train de me justifier? Absolument. Et avec ces petits cruditos au bon parfum de plastique... Ah, c'est Lisa Margot quand même chez moi. On fera des rouleaux de printemps sauce cacahuète. Allez, c'est parti. Ça, c'est vraiment le truc... Attendez, je lui ouvre quand même la porte. Je disais rouleaux de printemps sauce cacahuète, parce que c'est vraiment le premier truc auquel je pense... Pour manger vegan, sans gluten, sain, facile, rapide, délicieux. Puisque là, j'ai plus trop d'inspiration ces temps-ci, n'ayant pas cuisiné depuis le rouleau de printemps, c'est mon basique. Encore une fois, si vous avez des idées de recettes, balancez ça. Je suis sûre que ça n'aidera pas que moi. Du café, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Et des clémentinas, parce que voilà, faut savoir savourer les petits plaisirs de l'hiver. C'est mes courses pour aujourd'hui. J'arrive pas à faire les courses pour plus d'une semaine. Comme j'ai pas d'inspi, j'arrive pas à me projeter. Je fais à l'envie, à l'instinct. Enfin bon, on verra. Je vous tiens au courant de la suite. Il y a Lisa Margot qui va arriver. Je vais peut-être lui ouvrir. Bonjour mon petit chat. C'est belle. Mais non. C'est la première fois que tu viens chez moi. La cuisine est dans une autre pièce. La cuisine est dans une autre pièce, n'est-ce pas incroyable? Je peux pas montrer parce qu'il faut que je regarde pour le long tour. C'est trop bien. Je suis trop contente. T'as du double vitrage et tout. Ah, la classe hein. Pas ça y est, on t'arrête plus en fait. T'es parti sur l'autoroute. L'autoroute du kiff à 100 à l'heure. C'est inspirant. Ah, alors tu vas aller faire tes petites courses? Il faudrait.
Maintenant, même faire des courses, c'est devenu... Il y a combien de temps qu'il n'y avait pas de courses? Bah, on sait pas, hein. Mais moi, je sais pas. Tous les jours, depuis des années, tous les jours, tous les ans, je me dis, c'est bon, cette fois, je me reprends en main, quoi. J'arrête vraiment les conneries. Et souvent, ça tient une semaine, tu vois. Et c'est trop bien. J'ai eu beaucoup de rigueur dans mon alimentation. Oui, en plus, toi, tu connais la rigueur. Tu sais faire, quand même. Ouais, ouais. Là, du coup, je suis à la recherche d'équilibre. J'ai bien progressé depuis les années où je mangeais que de la mousse de canard et des frites, tu vois. Oui. Tu sais ce que j'ai mangé à midi? Quoi? Une baguette de pain entière avec de la fonte d'Anvers. Ils sont où les nutriments là-dedans? Quelqu'un peut me le dire? Mais j'aime pas cuisiner. Ah. Vraiment. Tu prends pas de plaisir? Pas du tout. Ah ouais? Aucun. Qu'est-ce qui te saoule? Cuisiner. Il y a un truc qui me donnerait l'impression de réussir ma vie aussi, c'est faire du yoga régulièrement. Parce qu'avant, j'étais trop that girl. Je faisais du yoga vraiment régulièrement, quoi. Et là, j'ai arrêté. Et du coup, je me suis mis un coup de pression en me disant, non, mais maintenant, je vais en faire tous les jours. Et du coup, j'en fais jamais. Parce que je rate un jour et je dis, ah bah, si je rate un jour, j'en fais pas tous les jours. Du coup, bah, je vais en faire pas du tout, tiens. Là, ce matin, j'ai rendez-vous avec Laure sur WooSkill. WooSkill est partenaire de cette vidéo. WooSkill, c'est une plateforme où vous pouvez prendre des cours de tout. Il y a des cours de langue, il y a des coachings, tu peux te faire coaché pour divorcer, j'ai vu, hyper pratique. Sur WooSkill, il y a des profs expérimentés dans chaque domaine que vous avez envie de tester, d'approfondir ou dans lequel vous voulez être accompagné. Donc là, c'est cool parce que j'ai pas d'excuse pour pas faire mon yoga puisque Laure, elle m'attend. Tu vois, elle vient directement chez moi par le truchement d'un écran et en plus, elle va me donner un accompagnement vraiment personnalisé puisque moi, d'habitude, je fais du yoga avec des vidéos YouTube et ma prof de YouTube, elle sait pas que j'existe en fait. Bonjour Laure! Hello Camille! Bon, t'es prête pour cette session de yoga en pleine forme là? C'est parti! Avec le code Camille, vous allez avoir moins 15% de réduction sur votre premier cours. Donc testez, vous me direz. Moi, j'ai trop kiffé ce cours avec Laura. Un jour, je ferai une vidéo, regardez comment je tiens bien sur la tête. Et pour remplir cet objectif, ça m'aiderait quand même bien, tu vois, d'avoir un prof à domicile, quoi. Je vous laisse le lien avec le code promo dans la description. Merci WooSkill d'être partenaire de cette vidéo. Revenons à nos smoothies. Bon, les smoothies, c'est bien, pourquoi? Parce que tu mets 3 bananes, du gingembre, tu mets de la mâche, t'as pas peur. Ça, tu manges un peu du vert, voilà. Ça te fera pas de mal, ça. Voilà. Et tu les as, tes 5 fruits et légumes par jour, ils sont là. Et comme ça, on n'en parle plus, c'est fait. Tu vois, et là, il est quoi? Il est 11h. Et t'as fait ton devoir envers ton corps. Le reste de la journée, tu peux manger de la merde. Quand t'achètes les sachets, après t'as pas d'excuses pour pas les manger parce que déjà t'as acheté des sachets. Donc t'as aucune excuse pour pas avoir le temps de faire une salade. Je fais une salade parce que là, si je m'écoutais, je déboîterais le petit pot de guacamole, tu vois. Je sais ce que je vais faire, mais avec une salade. Une salade un peu chiadée, tu vois, tant qu'à faire. Ça fait 9 minutes que je tourne. Donc j'ai même pas mis 10 minutes. Là c'est le max que je pouvais donner aujourd'hui. Demain on fera mieux. Un peu plus génial qu'hier et moins que demain, c'est ma devise. Cette nuit j'ai rêvé que je twerkais trop bien. Twerk est trop bien. J'ai commencé un programme de twerk sur YouTube pour apprendre 17 moves de cul différents. Vous le savez si vous écoutez le podcast 4 quarts d'heure. Et depuis que j'ai parlé de mon cours de twerk dans ce podcast, j'ai plus jamais refait de cours de twerk. Il est 8h10. Ça veut dire que grand max 8h40, je suis là. Grand max, grand max. Bon bah courir, c'est toujours un succès et une excellente excuse pour se laver les cheveux. Bon, j'ai bu mon café, je mange une petite clémentine, je vais en manger deux. Mais là par exemple, j'avais pas tant envie de manger la clémentine, mais je me force. Et maintenant que j'ai mangé le premier bout, super, j'adore, meilleure décision. Je vais être contente de la manger. Dire qu'avant il y avait aussi ça tous les soirs, mais juste je le voyais pas quoi. D'où j'étais, je le voyais pas, je pouvais pas le voir, j'étais trop bas.
ça fait réfléchir, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se passe et qu'on voit pas de là où on est en ce moment? Une catastrophe. Mais je suis stressée par la caméra. J'ai faim. C'est quand même dingue. Ce qu'on dirait que manger c'est une corvée quoi. Tac, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais parer au plus pressé. J'ai là un petit pain libanais. Tac, dedans je vais mettre un maximum de mayonnaise, de la salade. J'ai rien, j'ai plus que des crudités. Des carottes, du chou rouge, de la coriandre. Désolé pour ceux que ça débecte. Du ketchup. Bon alors là, jugeront ceux qui veulent. Et petits oignons frits. Voilà. Avec ça, je devrais être un petit peu plus concentrée. Putain, comment je vais manger ça? Oh là là. C'est une réussite. Je suis obligée de retitrer ce vlog. Elle mange du tofu pour la première fois. Car cette femme va manger du tofu pour la première fois. Et il va être cuisiné par moi. Au passage, vous voyez beaucoup trop de mon appartement qui est absolument magnifique. Il a jamais été aussi beau et bien rangé. Car ce soir, nous avons la visite d'Anissa Omri, mesdames et messieurs. J'avais peur que t'aies déjà mangé du tofu et que il était pas bon et que du coup t'aies eu un a priori sur le tofu. Mais... Non, j'en ai jamais mangé. Ça va être la première fois. Mais je suis émue quoi. Bah ouais, je savais pas, franchement je m'attendais pas du tout là, enfin, en venant ici. Non mais moi ça me colle une pression. Nous avons là deux pavés. C'est vraiment... Ça ne fait pas envie. On dirait des éponges un petit peu finalement. Mais oui, et d'ailleurs ça absorbe beaucoup l'humidité. Ça trempe dans l'eau quand tu les achètes. Et là je les ai pressés dans un torchon pour les vider un peu de leur humidité. Maintenant on va les couper en cubes. Bon bah je vlog la séquence hein. Ah oui, du coup oui, évidemment. Tu veux que je te filme? Bah ouais, tu peux, allez. Allez. On me voit que trop rarement dans sur cette oui, chaîne. C'est bon, ça va de aucun goût à un sale goût, moi je dirais. Tape-moi ça. Je tape. Ok. Bon. Ça n'a pas d'odeur. Pas vraiment, hein. C'est très destel. Et ça n'a pas de texture non plus. Non, ça n'a rien pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment pâte à fixe un peu, mais moins mou. Mais tu dis la pâte à fixe, elle a un souci là. C'est ça que tu me dis. La pâte à fixe, ça va pas fixer là. Non, c'est comme une pâte à fixe qui colle pas. Tu dis, on va la ramener au magasin. Bon, attends, on va en faire quelque chose de bien. D'accord. Let's go. Let's go. Oh, j'ai l'impression d'être dans un TikTok. Tu fais des énormes bouts. Mais non, regarde. Parfait. Okay. Alors, maintenant qu'on a ça, une poêle chaude qui est fait griller avec beaucoup d'huile d'olive. Voilà, là il est grillé déjà, on lui a donné une consistance et c'est tout ce qu'il attendait. Qu'est-ce qu'elle me fait comme drôle de bruit celle-là? Elle prend ses pieds en photo. Mais pour montrer mes petites sandales. Je lui ai donné les plus belles sandales. 4€ au bazar. Maintenant, on va faire une petite sauce parce que c'est ce qui manque. Une petite sauce. On va faire une sauce un peu gluante. Ok. Avec de la maïzena qui est devant toi. Okay. Tu veux la montrer aux téléspectatrices? Elle est bio parce qu'il n'y avait que ça. Là, on va mettre de la sauce soja, la dosace de miel issue de mélange de différents pays de l'Union Européenne. Je suis pas bonne pour le... Ouais, on l'a bien là. Ouais, c'est nickel. Mm-mm. Super. Et de l'eau. Et puis pour décorer, on mettra du sésame qui est là. Vous aimez le sésame? Vous, dites-le en commentaire. C'est parti mon kiki. Là, je vais te donner la caméra. Parce que je vais faire avec mes mains. Écrase la patata. Attention, attention, monsieur Ducasse. La concurrence là. Donc là je fais chauffer de l'eau dans le fond de ma poêle. Maintenant je vais essayer je vais rajouter de la sauce soja. Vlog chaotique. Là on a mis la sauce soja et la agar-agar. On voit que ça commence à prendre une jolie tournure. On jette directement le tofu dessus et on vient napper. Bon
là je peux plus filmer, il me faut de la concentration. Ça écrase, ça écrase toujours. Écoute, ça écrase. Ça avance ici sur l'atelier, donc écrasage de pommes de terre. N'oubliez pas d'envoyer vos dons à pommesdeterreécrasées.org. Exactement, pour financer, on vous le rappelle, nos vacances. Putain, ça prend mon truc. Ah non, faut que je vous laisse, regardez, on voit déjà que ça brille. On voit que ça prend la brillance qu'on recherche. Mais oui, faut que je coupe. T'es choquée? T'avais jamais vu un si beau tofu? Ah non, mais vraiment, j'ai trop hâte de goûter quoi. Mais t'avais jamais vu du tofu? Non, c'est vrai, j'ai You ready? Vas-y, okay. Are you ready? I'm ready, je suis partie. Ouais. C'est un de faux cul. Non, parce que la sauce est trop bonne. Ah, c'est ça qui fait le truc. Fais voir, attends, moi je goûte. Non, franchement, c'est bon, hein. Oui, j'ai rajouté les petits avocats, j'avais oublié le petit avocat de pétasse. Ouais, hyper bon. C'est trop trop bon, même. Un peu choui. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah non, c'est bien. Bon appétit. Absolument ravie. Allez. Bon appétit à tous. Et tu vas partager ta recette pour les gens. Mais t'as vu, j'ai fait à la louche. C'est une recette à la louche. Je vous mettrai la recette à la louche. Merci à tous. Abonnez-vous à la louche. Changer. C'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? J'ai appris que si ma consommation de crudité dépend de ma motivation à faire des rouleaux de printemps, faut pas trop compter dessus. Changer, c'est difficile pour tout le monde, mais j'avais l'impression cette semaine qu'il me manquait une pièce du puzzle, parce que je suis là, je sais où sont les problèmes, je sais où sont les solutions, je suis une meuf motivée, mais je sens qu'il me manque une pièce du puzzle pour que le changement soit durable. Et je suis tombée sur une vidéo, c'est l'interview d'une meuf qui s'appelle Cathy Milkman, et c'est une experte en changement comportemental. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Comment changer ?», tout simplement. Et dans cette vidéo, elle explique pourquoi nos bonnes résolutions ne durent pas. Et ce serait parce que notre cerveau est câblé pour la récompense immédiate. On a du mal à penser les bénéfices à long terme, du coup on va aller vers ce qui nous fait plaisir tout de suite. Du coup, Cathy a dit « Pour être régulier dans une pratique, dans un changement, il faut être flexible. » Regarde, je m'étais dit « Je fais du yoga tous les jours, du coup j'en fais jamais, parce que quand je rate un jour, je suis là, ah bah c'est niqué, j'en fais pas du coup. » Il y a deux pratiques, moi, que je suis arrivée à instaurer sur le long terme dans ma vie, c'est les pages du matin et courir. Et les pages du matin, on devrait les faire tous les jours, mais moi je les fais pas tous les jours, mais je les fais depuis 2 ans, tu vois. Et courir, c'est pareil, je peux pas te dire j'y vais 3, 2, 4 fois par semaine. J'y vais quand j'y vais, mais j'y vais. Et ce, depuis 4 ans bientôt. Donc, pour cette reprise en main de ma vie, et surtout cette reprise en main alimentaire, je vais viser la flexibilité. C'est la partie 1 de cette grande aventure. Je pense qu'il y aura 3 parties en tout, je ferai, je pense, 2 autres vlogs pour suivre un peu l'évolution de ces extraordinaires changements d'habitude que je suis en train de mettre en place avec un grand succès. Pas encore. Et puis, Cathy, elle dit aussi ce qui nous manque pour mettre en place des changements durables, c'est d'avoir conscience des obstacles. Par exemple, cette semaine, j'ai bien capté que mon obstacle, c'était d'avoir aucune inspiration et aucune idée. Donc, il faut vraiment que je me pose et que j'écris des choses, des idées de plats à manger en fait. Et je crois qu'il faut en passer par là quoi. Un petit temps de pause et de réflexion. Si vous avez des suggestions de quoi manger, vraiment dites-le moi en commentaire, je suis végétarienne. En tout cas, on peut pas changer des trucs aussi profonds en une semaine, donc je vous tiendrai au courant de la suite. Merci à WeSkill d'avoir été partenaire de ce vlog. Allez faire un tour sur le site, il y a sûrement un accompagnement ou un cours dans le domaine que vous recherchez. Et avec le code Camille, je vous rappelle que vous aurez moins 15% sur votre premier cours. Abonnez-vous à cette chaîne, ça fait plaisir, c'est gratuit. Activez la cloche, comme ça vous saurez quand la prochaine vidéo sort, normalement dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao.